Depuis plusieurs saisons, l'émission phare de M6, Mariée au premier regard, se révèle être un véritable théâtre d'émotions. Des destins s'entrecroisent, parfois voués à l'échec, mais parfois bénis par Cupidon lui-même. Parmi les couples emblématiques, celui formé par Charline et Vivien lors de la saison 3 a su captiver les téléspectateurs. Leur histoire d'amour singulière a été le témoin de nombreux tournants décisifs au fil des années. Ensemble, la paire s'est frayé un chemin à travers les hauts et les bas de la vie. Malheureusement, leur amour, forgé dans le creuset de l'inattendu, a récemment pris fin. Un nouveau chapitre pour les deux anciens visages familiers de Mariés au premier regard, Vivien et Charline ont pris tout le monde par surprise, le jeudi 10 août, en annonçant leur séparation. L'annonce a débuté avec Charline, qui a partagé un message sur son compte Instagram, disant « C'est le cœur lourd et rempli d'émotions que je vous annonce aujourd'hui notre séparation. » Après 5 ans de vie commune, de bonheur, mais aussi de moments plus difficiles, nous avons en effet décidé avec Vivien de prendre des chemins différents. Les raisons nous appartiennent et j'espère que vous respecterez notre vie privée et notre choix. J'ai profondément besoin de me reconstruire aujourd'hui. Vivien, à son tour, a pris la parole quelques instants plus tard également sur son compte Instagram. Le père de famille semble avoir choisi ses mots avec soin pour transmettre l'ampleur de ses sentiments, comme le Titanic, notre couple n'est pas insubmersible. Chers amis et followers, si est-il avec le cœur lourd que Charline et moi avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Nous avons partagé de merveilleux moments ensemble, mais nous croyons qu'il est temps de suivre des chemins séparés et prendre le large. Et d'ajouter, je ne vis pas ces 5 dernières années comme un échec, mais plutôt comme une réussite avec des voyages, des moments de joie et d'amour qui ont donné lieu à ce miracle de 2 ans et demi maintenant. Une page se tourne, il faut reconstruire différemment, mais soyez-en sûrs, nous resterons des parents attentionnés et notre priorité restera la famille pour le bonheur de notre poupée. Si est-il ainsi que cette romance singulière entre les anciens candidats de Mariés au premier regard s'achève. Désormais, chacun entamera un nouveau chapitre de sa vie, sans l'autre. Et dire que récemment, leur vie semblait être semée d'heures mémorables, événements joyeux et nouveaux départs. Une histoire tissée de moments de bonheur et d'événements déterminants, ce chemin parcouru à deux a été marqué par des événements mémorables au fil des années, peignant une toile riche en émotions. Parmi ces moments marquants, un second mariage et la naissance d'un trésor précieux. Si est-il sur les réseaux sociaux que Charline a partagé avec émotion, le 19 avril 2021, un peu de toi, un peu de moi, et nous voilà désormais trois. Si est-il avec émotion et tendresse que nous vous annonçons la naissance de Victoire qui nous a rejoint le 18 janvier 2021 à 1h46. 3 kg 60 de bonheur et 48 cm d'amour qui nous comblent chaque jour. Tout récemment, une nouvelle page s'est tournée avec leur déménagement dans une maison de rêve. Charline s'exprimait avec enthousiasme, « Ça y est, nous venons tout juste d'aménager dans notre nouvelle maison, cette petite maison toulousaine dont nous avons tant rêvé. » Après 2 années de construction, notre petit cocon de 82 mètres carrés est enfin prêt, et je peux vous dire que nous avons hâte de nous l'approprier. Devant ces moments heureux, rien n'aurait laissé présager que l'histoire de ces deux candidats de Mariés au premier regard allait se terminer aussitôt. Quoi qu'il en soit, Charline et Vivien ont réussi à insuffler une véritable bouffée d'air frais dans le monde tumultueux de la télé-réalité amoureuse.
pour l'heure, contrairement à Emmanuel qui a déjà pu retrouver une autre chérie, Charline et Vivien sont toujours célibataires. Keep it up, I have.